Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes allé seul en vélo chez votre ami? Vous souvenez-vous du sentiment de fierté qui vous habitait ce moment-là? Vous souvenez-vous de la petite flamme de confiance qui venait de s'allumer en vous? C'est magique, n'est-ce pas? L'autonomie, c'est tellement puissant. Ça nous fait sentir tellement libres et en confiance. C'est ce que nous voulons pour nos élèves. Bonjour, c'est Petronille de l'Alberta. Pour cette capsule des trousses, ma rentrée francosphère pour le primaire ou l'élémentaire, je vous parle de la thématique développer l'autonomie. Les activités des trousses, ma rentrée francosphère, vous permettent d'installer et de maintenir un climat propice au développement identitaire qui va vous être utile tout au long de l'année. Je vous présente l'activité ma cible. C'est facile. Remettez une cible et une flèche en papier à vos élèves. Demandez-leur d'écrire un objectif à atteindre sur le plan académique, social ou culturel. Ça peut être parler en français dans les travaux d'équipe, donner plus son opinion ou lire plus souvent. Quand je fais cette activité, j'en profite pour faire moi-même l'exercice et me donner aussi un objectif. La prochaine étape, c'est d'inviter vos élèves à trouver les moyens pour atteindre leur objectif. Au fil de l'année, rappelez-leur d'avancer ou de reculer leurs flèches. Célébrez les efforts et les réussites en lien avec l'objectif. Partagez aussi vos bons et moins bons coups en lien avec le vôtre. Vous trouverez les détails de cette activité et d'autres idées dans la thématique « Développer l'autonomie des trousses, ma rentrée franco-sphère ». Et vous, quel est votre objectif ?